Dark féminine vs light féminine make-up. La dark féminine, elle va avoir tendance à mettre du fond de teint. C'est le genre de fille qui a un teint impeccable. La light féminine, c'est tout l'inverse. Elle déteste le fond de teint, elle va mettre une bébé crème ou une CC crème pour que ça soit subtil tout en hydratant. La dark féminine, elle aime bien structurer ses sourcils. Elle a souvent tendance à les épaissir avec un crayon ou un gel teinté. La light féminine, elle va juste venir les structurer. La dark féminine, elle hésite pas sur l'anti-cerne et elle remonte. La light féminine, elle va en mettre mais vraiment très léger. Elle veut pas trop qu'on voit qu'elle en ait mis. La dark féminine, elle va vraiment venir structurer tout son visage. Comme tu vois, la light féminine, elle utilise une couleur beaucoup plus claire. Comme pour l'anti-cerne, elle veut donner l'impression qu'elle en a pas vraiment mis, que ça reste naturel. Le blush, la dark féminine, elle va mettre quelque chose de très foncé. Le but, c'est qu'il faut que ça se voit. La light féminine, elle va prendre quelque chose de beaucoup plus clair, légèrement un petit peu sur les pommettes. Encore une fois, limite, si elle te le dit pas, tu sais pas qu'elle en a mis. Par contre, que la light féminine, elle va rajouter une petite tache de rousseur qui font super naturel. On se rejoint pour le plus important, les yeux et les lèvres, et honnêtement, je pense que c'est ça qui va faire toute la différence.